Massacrés comme des bêtes, les victimes gisaient devant lui. Un rappel de son passé. Un passé auquel il ne pouvait échapper. Seule consolation était la mer. Naviguant sans cesse d'un port à l'autre au service des dieux de l'Olympe, tous ses espoirs reposaient sur eux. Peu importe la quantité de vin consommé ou le nombre de femmes dans son lit, rien sur terre ne pouvait lui faire oublier les horreurs qui le tourmentaient. Athéna ! Dix ans, Athéna ! J'ai loyalement servi les dieux pendant 10 ans. Quand me soulagerez-vous enfin de ces cauchemars ? Nous vous demandons une toute dernière tâche, Kratos. Votre plus grand défi vous attend à Athènes, qui a été assiégée par mon frère, Arès. À cette heure, Athènes est sur le point d'être détruite. La volonté d'Arès est de faire tomber ma grande cité. Zeus a interdit aux dieux de se faire la guerre mutuellement. C'est pourquoi je fais appel à vous, Kratos. Seul un mortel entraîné par un dieu aura une chance de vaincre Arès. Si je fais ce que vous voulez, si je tue un dieu, alors les visions, elles cesseront. Accomplissez cette ultime tâche, et le passé qui vous consume sera pardonné. Ayez foi, Kratos. Les dieux n'oublient jamais ceux qui leur viennent en aide. Abandonnant la carcasse pourrissante de l'hydre, Kratos reprit la mer. Son plus grand défi et la possibilité de se libérer de sa folie grandissante l'attendaient dans la cité d'Athènes. Restez, Kratos. Encore un peu. On est à Athènes. Prenez vos affaires et disparaissez. Revenez au lit, Kratos. C'est fini. Soyez parti à mon retour. Détruisez Arès, et les dieux vous pardonneront vos actions passées.
Mmh.